Bonjour les petits gars, c'est Papy. Mamie. Alors aujourd'hui, on vous fait une vidéo qui n'a rien à voir avec Breath of the Wild. On va vous parler d'un petit gars qui malheureusement nous a quittés et ça nous fait bien du chagrin. Il venait en plus de chez nous, de la Bretagne, il venait de Vannes. Il s'appelait Jean-Yves Lambert, mais son vrai nom, vous le connaissez tous, sous le mieux de Jean-Yves Lafesse. Il a commencé sa carrière dans une radio qui a été très controversée, qui s'appelait Carbone 14, où c'était très satirique, c'était des blagues en dessous de la ceinture, enfin, des blagues qui étaient vraiment déjà à l'époque d'un mauvais goût. Et dans les années 90, il a fait des impostures sur la radio RMC, et ensuite il a fait Radio Carotte. Il interviewait des gens avec une carotte, et puis après, il a fait ses impostures au téléphonique sur Europe 1, et après, il s'est fait plus connaître dans ses canulars et impostures, et à chaque fois, il commençait en disant « Bonjour, ça peut plus durer ». Il s'appelait Jean-Yves Lafesse, c'était quelqu'un d'extrêmement gentil, de très humain, c'était quelqu'un qui me faisait beaucoup rire, et je me rappelle, dans ma jeunesse, je m'étais acheté la cassette vidéo « Les yeux dans la fesse », et je peux vous garantir que mis à part maintenant, j'ai rarement frôlé la continence. C'est quelqu'un qui comme le basané là, vous savez Julien, qui improvisait beaucoup ses blagues. Il suffit qu'il voyait quelqu'un pour faire des blagues, pour faire de l'humour. Et à chaque DVD, moi je regardais ça avec tendresse et surtout je frôlais la crise cardiaque à force de rigoler. Il a sorti plein de DVD et on mettra le lien dans la description. Et malheureusement, on a appris hier et je vous assure que ça a fait du chagrin et il nous a quittés à cause d'une saloperie de maladie de Charcot. Vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, il a fait beaucoup, beaucoup de blagues, mais celle-ci n'était pas drôle du tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais vous laisser, les amis, parce que j'ai vraiment, vraiment du chagrin. D'habitude, j'ai envie de rire, mais là, j'ai pas du tout envie de rigoler. En tout cas, où que tu sois, Jean-Yves Lafesse, sache que tu vas beaucoup nous manquer. C'est comme ça qu'on dit, maman. Voilà, et je vais vous laisser avec un petit gag de Jean-Yves Lafesse, j'espère qu'il va nous autoriser ça, et je vais terminer par conclure ce petit hommage en disant que les décès des grands comme ça, eh bien, ça peut plus durer. Allez, ciao l'artiste, à très bientôt, et tu vas nous manquer, maudit salopard. Ciao. Allez, au revoir les petits gars. Maudit salopard. Ciao. Allez, au revoir les petits gars.